Because whoever said that blood is thicker than water is the biggest lie ever been told. That's yep. right. Go and create a family and be around people that make you comfortable, that make you happy, that love you and support you. And this is not a hate message. This is a love message. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Edouard Style. Mon nom est Emma Dar. Lorsque vous changez votre état d'esprit sur qui vous êtes, les gens autour de vous changeront. Parce que vous ne choisissez plus de penser comme eux. Certaines personnes grandiront avec vous, d'autres vous quittera. Copine, copain. Accordez-vous de l'attention aux personnes qui vous rabaissent et vous donnent l'impression de devoir les chasser? Ou peut-être des gens qui prennent juste votre énergie et vous donnent rien en retour? Avez-vous peur de dire votre vérité? Peur d'être vous-même? Comment vous sentez-vous autour de vos amis? Si vous vous sentez fatigué en leur présence, vous pouvez les laisser partir. Votre vie est comme être dans une pièce de théâtre. Et vous êtes l'auteur, le metteur en scène et le personnage principal. Pourquoi choisirez-vous d'avoir un méchant vilain qui est contre vous comme ami quand vous pouvez avoir le type d'ami qui vous élève, vous comprend et vous dites la vérité? J'ai eu beaucoup de différents types d'amis dans ma vie, comme les faux, jaloux, etc. Je suis reconnaissante de les avoir eus et de les avoir laissés partir parce que j'ai gagné des amitiés qui viennent du cœur et j'ai pu voir la différence quand un ami t'aime. Famille. Vous savez que la famille peut être une chose délicate parce que pendant des années, ils ont peut-être traité et pensé à vous d'une certaine manière. Et quand vous choisirez de vous améliorer, ils ne le prendront peut-être pas au sérieux. Pourquoi voudriez-vous changer maintenant après toutes ces années? Certains membres de la famille pourraient changer avec vous. Certains vous devraient lâcher ou aimer de loin. Tout comme les amis, la famille peut vous aider à grandir, vous empêcher de grandir ou même vous faire changer pour le pire à cause de leur propre crainte de grandir pour le mieux. Bien que ce soit une décision difficile à prendre, vous devrez être fidèle à vous-même et faire ce qui est le mieux pour votre bien-être mental, spirituel et même physique. Certaines personnes sont entourées d'un membre toxique de leur famille et pour une raison quelconque, elles font passer ces membres avant elles. Vous préférez vous trahir plutôt que de leur dire votre vérité. Choisissez-vous et créez l'environnement dans lequel vous voulez vivre. Et si cela n'inclut pas certaines personnes, c'est pas grave. Faites le changement pour vous. Les amoureux. Je voulais parler d'amoureux, mais en réalité, quand il s'agit d'une relation, ça commence vraiment par soi-même. C'est vraiment un miroir, un reflet de vous. Comment vous vous aimez, comment vous vous traitez, comment vous prenez soin de vous. Vous aimez-vous vraiment comme vous aimeriez être aimé? Après avoir répondu à ces questions, vous devriez peut-être abandonner une ancienne version de vous-même. La relation amoureuse serait plus à l'aise pour vous lorsque vous êtes vraiment amoureux de vous-même. Vous reconnaîtrez quand quelqu'un vous aime vraiment. To him that hath, to him it shall be given. The only thing that you're going to get is what you've got. Get it? Votre premier amour devrait être vous-même, parce que si ce partenaire vous quitte, vous avez toujours la fondation de l'amour en vous. Vous serez reconnaissante de l'expérience et passerez à un autre chapitre du script que vous écrivez continuellement. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. J'attends de vos questions dans les commentaires. Bye! Toi et moi.